Greg Hullared, vous étiez aujourd'hui responsable du poste de commandement opérationnel sur cet exercice qui consistait en quoi ici ? Eh bien, nous avons organisé cet exercice afin de vérifier la pertinence des dispositions du plan spécifique de secours de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, pour lequel nous n'avions à ce jour pas organisé d'exercice et donc pas testé la pertinence des propositions. Donc voilà, il s'agissait bien évidemment de mesurer et de vérifier la capacité, la réactivité des services et la possibilité et la bonne coordination des secours, puisque nous avons beaucoup de services différents qui interviendraient en cas d'accident de ce genre. Alors, quel genre de service vous avez engagé ? Eh bien, bien évidemment, comme tout le monde peut le penser, les sapeurs-pompiers sont en première ligne sur ce genre d'exercice. Mais nous avons aussi, bien sûr, le SAMU, qui prend en compte les blessés et les qui doivent être hospitalisés, voire les personnes décédées ensuite pour leur évacuation. La DAS qui organise la répartition des malades dans les différents établissements hospitaliers. Les organisations et les associations de secouristes que sont la Croix-Rouge et l'Association départementale de protection civile qui viennent prêter main forte aux sapeurs-pompiers en tant que de besoin et selon l'ampleur des événements, mais aussi aujourd'hui nous avons mobilisé les militaires et particulièrement les militaires du 35e RAP hein, qui ont joué l'incident puisque nous avons simulé un accident d'aéronef militaire. Premières observations, vous êtes satisfaite de la rapidité avec laquelle les secours sont intervenus ? Oui, nous avons déclenché l'alerte à 14h10 et on a en tout cas éteint l'incendie à 14h20 et la plupart des victimes ont été prises en compte par les premiers secours de l'aéroport à 14h30. Puis s'installe la prise en charge plus lourde hein, par le service départemental d'incendie et de secours et le SAMU qui vise à récupérer toutes les victimes, à évaluer le niveau de gravité des blessures et puis, comme je vous le disais, à les transférer sur les établissements adaptés.